C'est une journée très chargée pour ses enfants. Je saute. Je le touche-touche. Un chat perché. Avec ce château gonflable, rien de mieux pour profiter de ce week-end estival. C'est bien et je me fais plein d'amis. Bah c'est bien, ça fait plaisir que d'être tout seul. On sort au moins. Parce que sinon, s'il n'y avait pas ça, tu ferais quoi? Je jouerais au foot, mais ça me plaît pas beaucoup. Un moment privilégié pour cette famille, car comme elle ici, toutes ne partent pas cet été. Pour nous, on n'a pas besoin spécialement de partir en vacances puisqu'on trouve qu'il y a assez d'activités dans le coin pour pouvoir bien s'amuser avec les enfants. C'est d'ailleurs autour de ce plan d'eau que Lila, 6 ans, s'initie au ricochet avec son oncle et son chien. Pour ne pas attraper. Avec toutes les activités proposées ici, là, ça y est, c'est parti, on y va. Ce lieu est devenu le point de rendez-vous quotidien pour ses habitants de Condé en Normandie. Se retrouver tout ensemble, de discuter, de faire des jeux. Quand on est tout seul, c'est un bien fou. Si vous n'aviez pas cet endroit-là, qu'est-ce que vous feriez? Assise dans mon canapé, attendre que le temps passe. C'est justement pour éviter ces situations que les membres du comité des fêtes prennent la relève des saisonniers et se mobilisent bénévolement pour proposer ces loisirs le dimanche. Voilà, madame. Merci bien. Pour les gens qui ne partent pas en vacances, voilà, ça leur donne une journée en plus à pouvoir profiter des structures gonflables qui sont gratuites. Avec près de 200 personnes tous les jours, Condé Plage fait durer le plaisir jusqu'au 25 août.